Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo, les derniers achats de début juillet. Donc on a vu à peu près une dizaine de véhicules. Maintenant on va passer à la suite. Alors j'ai deux choix, tiens je vais commencer par ce... je vais commencer par celle-là. Donc, une petite CQ, une Porsche 928, donc on l'avait vu fuiter lors du live. Lors de la caverne d'Ali GG. Voilà, donc c'est Nico qui m'a déniché ça, avec toujours la portière qui s'ouvre, comme dans le live, dans le... Voilà. Bon, il y a les ouvrants. Voilà, ils veulent se montrer, donc voilà, on va les montrer. Donc voilà, c'est du CQ avec les ouvrants. Donc c'est une ambulance Porsche. Ils sont quand même gâtés, hein, les Allemands, à vous pouvoir avoir des ambulances Porsche comme ça. Voilà, donc c'est la série CQ. La génération de CQ que j'adore avec ces roues-là. Je vais pas dire qu'il y a de la temporaire, c'est les optiques qui sont rapportées en pièces plastiques, attenant au à l'habitacle. Ouais, rouge. Voilà, c'est ce qui se faisait à l'époque. En tout cas, il y a la présence des deux gyros et encore un tout petit bout d'antenne au-dessus. Voilà, qu'on arrive à distinguer. Donc ça, c'est super. Merci Poto. Celle-là, je l'avais pas et franchement, je suis super content. Et en plus, le châssis, il est nickel, quoi. Nickel. Voilà. Donc c'est ce que j'apprécie dans les vieilles CQ, donc c'est bien marqué Made in Germany, c'est que là il y a le descriptif de la voiture avec la puissance du moteur, la puissance de kilomètre-heure, le nombre de cylindres. Alors qu'est-ce qu'il y a de marqué? Cylindre, moteur, voilà, puissance. Donc c'est un 4 litres 4, 240 chevaux. 235 km/h et tour minute 5250. Autant dire que tu peux pas trop pousser les rapports là-dessus. Voilà. Donc, le deuxième modèle. Attends, j'ai pris quel tas là? Faut pas que je me gourre. Voilà. Donc, on va rester dans les Porsche avec cette 918 Spider Hot Wheels. Donc, du 2018. En provenance de chez Nico. Donc, celle-là, je l'avais pas non plus. Alors, je sais pas pourquoi je l'avais pas. Peut-être que je l'ai vu et que je l'ai pas prise, peut-être que je l'ai pas vu, je m'en souviens plus, tout simplement. Donc superbe, le rouge il est superbe. Voilà. Je crois que je l'ai rentré en grise aussi. Je sais plus. Ou je crois que je l'ai en grise, tout simplement. Voilà, donc ça c'est super. Hop, on va continuer dans les Porsche. C'est une spéciale Porsche celle-là. Avec une Panamera Turbo S. Hybride Sport Turismo. Alors là ils ont fait la totale avec ce nom, il est énorme. Il est énorme le nom, regardez en dessous tous les critos. Voilà. Alors moi je viens de les référencer dans l'ordinateur, dans mon listing. Ouais, celle-là je crois que c'est le plus gros nom que j'ai de tous les temps. Alors ça elle est magnifique. Alors les amateurs de Porsche, ils vont se régaler. Après la couleur, j'adhère un petit peu moins. Donc tempo avant, tempo arrière. Alors pour la tempo avant, c'est simple, c'est juste le logo, mais il y a les optiques qui sont rapportées par le biais du pare-brise. Voilà, là on verra mieux comme ça. Donc terrible, cette Panamera elle est terrible, l'arrière il est terrible. Donc présence du petit tampon Hot Wheels sur le côté, sur les nouveaux blisters, ça c'est cool. Donc du 2019, fin 2019 je précise. Je pense que c'est le dernier lot, voire un des derniers lots avant les 2020. En tout cas, très sympa. Alors en dessous, c'est assez simple, mais comme le véhicule il est beau en lui-même, ça va, ça passe. J'adore la présence de la petite flamme Hot Wheels sur la plaque minéralogique, génial, ça j'adore. Voilà, on passe au modèle suivant. Hop, on va prendre un petit peu des vieilles. Volkswagen Golf MK7, couleur orange, 2018. Donc ça, c'est du connu. Série 10 and No. Je ne vais pas m'attarder dessus. La caméra, elle ne focalise pas. Je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà, celle-là, je ne l'avais pas prise à l'époque parce que je trouvais que la tempo était dégueu. Ni avant, ni arrière. Et puis, de côté... ça casse pas trois pattes à un canard, juste la petite bande du dessus qui est sympa quoi, qui fait un petit peu racing. Voilà,
Les jantes sont sympas. Voilà, on l'a présenté. Je pense que vous l'avez déjà dans votre collection. Vu que c'est 2018. Voilà, donc, cette petite, on va continuer avec une Tesla Model X. Donc, pas mal de Hot Wheels dans toutes ces vidéos. Voilà. Donc ça, c'est la version noire 2018. Donc je ne vais pas préciser noire parce que tout simplement, vous le voyez. Hein. J'ai la version blanche. Et celle-là, elle est pas mal aussi. Hein. Elle est pas mal, pas mal. Donc ça, c'est en provenance de Nico. Alors, je ne sais pas comment est le retour de vidéo vu que la miniature, elle est noire. Et noire de chez noire. Donc en haut, on voit que le toit, il est ouvert. Panoramique. Ouais, ça va. Ça va, ça va, ça va. Donc, tempo latéral et tempo arrière. Voilà, du 2018. Hop, on passe au modèle suivant. Celle-là, petite Fiat 500 2018. Sparco, Conny, voilà, les sponsors qui a marqué dessus. Donc, celle-là aussi, elle est connue. Je vais pas trop m'attarder dessus, c'est pas la plus jolie des Fiat 500 qu'ils ont sorti. Pour moi, la plus jolie restera la rouge bordeaux, qui est d'ailleurs, je crois, au-dessus de ma tête là. Voilà, celle-là, elle est terrible, la toute première là. Ah, elle était terrible, terrible. Voilà, hop, pour ce modèle. On passe au modèle suivant, une petite japonaise, Nissan Fairlady Z. Grady. Voilà, donc celle-là, à mon plus grand étonnement, je ne l'avais pas dans la collection. Donc, je me pose encore la question. Je ne l'avais pas trouvé dans mon listing, pas dans mon répertoire ni rien. Donc, je l'avais pas. J'étais persuadé pourtant l'avoir. Vous voyez comme quoi ça peut arriver hein, aussi. Donc, super content de l'avoir retrouvé, tout simplement. Voilà, donc c'est du 2018, provenance de chez Nico. Voilà, hop, ça je l'ai gardé pour la fin. Ah bah voilà, bah là on arrive sur 5 modèles qui sont sympas. Il reste 5 modèles et 5 modèles qui sont sympas, c'est l'inédit. Alors une Ford Escort RS 1600 270, nouvelle teinte, Gunball 3000. Voilà, donc ça c'est sympa. Et franchement, j'ai une petite préférence pour la version noire, donc celle-ci. Par rapport à la version beige crème, un petit peu qu'ils ont sorti avant. Voilà, c'est une nouveau coloris, donc c'est sympa. Donc Gunball 3000, le petit logo ici, le petit tampon Hot Wheels ici. Ah, magnifique. Magnifique. Voilà. Regardez au-dessus, c'est super, 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 super cool. Voilà, c'est du fait que la voiture soit noire, c'est moins flagrant que les gros anti-brouillards avant, ou comment on appelle ça, les... Ah, bah vous aurez qu'à le mettre dans les commentaires, là, les pleins feux, là, je sais plus comment ça s'appelle, la rampe de feu. Ça se voit moins que c'est du plastique, donc c'est franchement sympa, quoi. Parce que sur la version bleue, sur la version blanche, ça se voyait franchement énormément que c'était du plastique, c'était un petit peu le petit regret qu'il y avait. À noter, bien sûr, alors sur le moule, je viens de le voir, la présence du rétroviseur droit uniquement, donc c'est la version british. Un petit rétroviseur à droite, je ne l'avais jamais vu, parce que d'habitude, les Hot Wheels ne s'attardent pas à faire des rétroviseurs, ou rarement. Enfin, je dis ça, mais en fait, toutes celles que j'ai présentées avant, quasiment long. Et là, juste côté droit, mais pas de l'autre côté. Voilà, hop, on va continuer avec cette... Là, on attaque dans du gros là. Mercedes-Benz Classe A de 2019. Celle-là, elle est terrible. Elle envoie du pâté cosmique, celle-là. Alors, je suis pas Mercedes. C'est vraiment pas ma marque de prédilection par excellence. Mais celle-là, elle envoie du pâté. Alors, quand je le dis, c'est vrai. C'est la première édition, donc. C'est quoi comme édition? Factory Fresh, voilà. Mais bon, c'est la première fois qu'ils sortent ce moule. Tempo avant. Et tempo arrière. Et c'est d'une finesse. Elle est terrible. Terrible, terrible, terrible. Donc je pense qu'ils vont la sortir d'une autre couleur, version rouge, je pense. Je mettrais bien la main à couper là sur le coup là, mais
Je suis sûr qu'ils vont la sortir en rouge après. Je sais pas pourquoi. Après, je vais me gourer, hein, tu vas voir. J'ai pas envie de perdre ma main, sinon je pourrais plus rien faire après. Hein. Je pourrais plus faire de vidéos ni rien. Ça serait la fin de la mort, de la chaîne. Petit liseré chrome sur les roues qui va bien. Regardez, là on le voit bien. Magnifique modèle. Donc du 2019. La présence du petit tampon. Voilà, on va pas le répéter. Mais ça, c'est vraiment un petit truc que j'apprécie énormément sur les blisters. Je trouve ça franchement fun. Plaque minéralogique allemande, avant et arrière, MB pour dire Mercedes-Benz 019, alors 019 c'est pour sûrement le 2019, ce qui est marqué sur la plaque minéralogique, et avant il y a marqué Hot Wheels HW, donc les plaques allemandes sont toujours composées de 4 lettres, et ensuite il y a des chiffres, c'est 3 ou 2 chiffres, et là on voit HW MB 019, donc Hot Wheels Mercedes-Benz 019 pour tout simplement l'année de sortie du véhicule. Super, ça là va s'arracher aussi comme des petits pains. Alors on va continuer, pas finir parce qu'il en reste 3, avec ce modèle là une Nova Gasser Wagon 264 Jerry Rigged. Excusez-moi pour mon accent anglais à dormir debout. Américain aussi, on peut dire. Hot Wheels Race Day. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Donc ça aussi, petit tampon de côté sur le blister. Ah, celle-là, les amateurs de Gasser et compagnie, elle est terrible, j'adore. Alors moi, j'adore les Nova. Après, je préfère la Break Nova traditionnelle. Sans... le big bloc devant qui sort et les petits trous, parce que voilà, à noter que c'est la version course, donc regardez, voilà, à l'avant il y a des toutes petits trous, à l'arrière il y a des gros ch'tucs, des grosses roues, le châssis très simple, voilà, très sympa, moi j'apprécie. Le nombre de sponsors sur le côté, Chevrolet, Hot Wheels, Jerry Gasser, MCDC. Génial. Voilà, ça c'est super. On va passer à l'avant-dernier modèle. Oh, ça envoie aussi du lourd, ça. Une petite Ford 32, nouvelle couleur. Et franchement, alors déjà la noire, elle était terrible. Et celle-là, elle est terrible aussi. Les petites bandes noires latérales sont d'une finesse magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, donc c'est du 2019. Présence du petit logo. Voilà, je le répète. N'hésite pas à liker la vidéo, hein, tout de suite en regardant ce modèle. Franchement, terrible. En dessous, c'est du basique, c'est traditionnel. Mais c'est une jolie variante de couleur pour ça. Donc j'ai la noire qui était même que j'avais loosé, tellement j'adorais. Celle-là, je l'ai trouvée qu'une fois. Je pense que je la reprendrai pour la looser aussi. Voilà, terrible. On passe tout de suite au dernier modèle de cette vidéo. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont la rechercher, qui la recherchent déjà. Et une très, très, très forte demande sur ce modèle. Et quand tu en as en vente, ça part comme des petits pains. Déjà, elle est très, très, très dure à trouver parce que voilà, il y a moult fans qui... Entre les fans Volkswagen, les fans Hot Wheels et compagnie, ils savent très bien que c'est une voiture que tu vas acheter 2 euros, que tu pourras revendre tout de suite 3,50 euros. Donc il y a tous ceux qui font de l'inflation dessus, voire 4 euros. Et malheureusement, bah voilà. Mais bon, c'est bien parce que ça fait de l'offre et de la demande. Et voilà, c'est du collectionnable. Et quand on aime, on ne compte pas. Le petit Volkswagen Caddy, nouveau coloris, vert. Et franchement, elle est très réussie. Donc c'est la série Volkswagen, 6 sur 10. Alors, faudrait que je fasse le tour maintenant. Je pense que je les ai toutes. Les Volkswagen de la série. Voilà, donc celle-là, elle est terrible, terrible, terrible. Mais alors, j'ai vu sur Internet qu'il y a une nouvelle série Mystery Model. Et dans la nouvelle série... Dans la série 3 de 2019, il y a un caddie dedans. Donc j'espère
la trouver, cette série. Et j'espère surtout trouver le caddie Mystery. Parce que ça, c'est sûr que ça sera loosé, hein, vu que les Mystery, je les ouvre. J'espère la trouver. Donc voilà, c'est sur ce magnifique modèle. Donc, je n'ai pas dit, hein, pas de tempo avant, pas de tempo arrière. Juste un petit logo Volkswagen avec une petite bande latérale. Mais ça suffit, la couleur elle est magnifique. Les roues sont sympas. Voilà, c'est sur ce magnifique modèle que va s'achever cette deuxième partie de vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher le commentaire, le pouce bleu, à dire ce que vous avez aimé. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!